Jeu d'athée en français, je joue la prof qui drague un élève. Bonjour Kevin. Alors Kevin, apparemment tu me trouves mignon. Tu sais que j'en ai 30 ans de plus que toi. Mais bon, moi ça me dérange pas, hein, tu vois. C'est pas parce que j'ai 30 ans plus que toi que je peux pas sortir avec toi. Hein. Tu vois, moi je suis pas mariée, j'ai pas d'enfant. Si tu veux Kevin, on peut se voir après les cours. Jeu d'athée en français, je joue la femme de ménage qui drague. Bonjour monsieur le patron. Je trouve très beau aujourd'hui monsieur le patron. Et madame la patronne, elle est partie au boulot? Ah ouais, du coup si vous voulez, on peut s'amuser à deux quoi, ça me dérange pas, moi je suis pas mariée. Hein. Les autres femmes ne seront pas au courant parce que moi je suis discrète. Hein. Vous voyez, vous voulez pas mon numéro? Comme ça, on peut s'envoyer des petits messages coquins et tout. Je peux même vous draguer. Ça me dérange pas, moi, comme je vous l'ai dit. Oui, vous voulez bien me draguer? Ah, ça me fait plaisir. Jeu d'athée en français, je joue les boueurs qui draguent. Bonjour, madame. Je vais prendre votre poubelle et la vider. Si vous voulez mon numéro, ça me dérange pas. Je vous trouve très, très charmante avec... Votre robe rouge, oh, vous êtes très belle. Je suis célibataire. Ah, moi aussi, je suis célibataire. Ça me dérange pas, donnez-moi votre numéro. Non, mais je veux pas de vous, en fait. Vous me plaisez pas. Quoi, je vous plais pas? Allez, donnez-moi votre numéro. Non, j'ai dit, arrêtez de me forcer. Je date en français, je joue la maman qui tape au port pour récupérer des bonbons pour Halloween. Allez, Kevin! T'es déguisé en quoi? Oh, il est beau ton costume de Spider-Man! Oh, il est beau! T'es beau, Spider-Man, mon Kevin! Bah oui! On va aller chercher des bonbons! On va aller chercher des bonbons avec maman! Allez, on y va! Allez, dépêche-toi, Kevin! On va aller taper aux portes! On va pas aller chez les voisins, hein? Tu sais que c'est des gros radins! L'année dernière, ils nous ont pas donné de bonbons, alors on va pas chez eux, c'est des cons. Ils vont pas te donner des bonbons, ils sont radins, je te l'ai dit. On va aller chez la mamie d'en face, là-bas. Allez, on y va, Kevin. Elle va nous donner beaucoup de bonbons comme l'année dernière. Allez, dépêche-toi. Jeu d'acteur en français, je joue la vendeuse de citrouilles qui drague. Bonjour, monsieur. Ils sont 3 € les citrouilles, oui. 3 €. Vous voulez combien, monsieur? Vous voulez 5? Ok, choisissez-les et je suis à vous tout de suite. Sinon, vous pouvez me donner votre numéro, moi ça me dérange pas, quoi. Moi je suis là pour récupérer les numéros des mecs, quoi. Mes clients, s'ils sont tous beaux comme vous, je vais craquer. Allez, donnez-moi votre numéro, je m'en fous que t'es marié. Je m'en fous, moi, que t'es marié, c'est pas mon problème, tu me donnes ton numéro, sinon je te vends pas de citrouille, tu peux repartir. Ah bah repars, vas-y, bouge, allez, ciao. Jeu d'athée en français, je joue le vendeur de choux roses à la plage. Approchez, approchez, j'ai des choux roses. 5 € les 10 choux roses. Bonjour, monsieur, combien de choux roses il vous faut? 10 choux roses? Ok, 5 €. Tenez, merci, au revoir. Bonjour, madame. Combien de choux roses? Vous voulez 2 paquets? Ok. Ça fait 20 choux roses. Ça fait 10 €. Tenez, merci, au revoir. Jeu d'acteur en français, je joue la directrice qui renvoie un élève. Bonjour, Kevin. Assis-toi dans mon bureau. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Brian? Alors, apparemment, tu t'es battu avec Brian à la récré. Par contre, là, ça va plus ton comportement à ce moment. Tu te bats, t'insultes tes professeurs, tu te barres des cours quand t'as envie, tu viens quand tu veux. Non, mais là, ça commence à bien faire, Kevin. À partir de maintenant, t'es renvoyé pendant 2 semaines. Jeu d'athée en français, je joue le facteur qui drague. Bonjour madame, je trouve très charmante avec votre jolie robe rose. Vous avez quel âge? Ah, vous en avez 25! Moi j'en ai 27, vous voyez, mais j'ai pas d'enfant et vous?
Vous avez deux filles, mais c'est pas grave, hein, vous êtes pas mariés. Quoi? T'es marié, mais c'est pas grave, hein. Je peux toujours te draguer, quoi. Allez, laisse-toi faire, un bisou. Quoi, non? Bah, je m'en fous, je continue à te draguer quand même. Je m'en fous que t'es marié et que t'as des enfants. Je t'attends en français, je joue le prof qui engueule à un élève qui est sur son téléphone. Bonjour les élèves, installez-vous, nous allons commencer le cours. Ouvrez votre cahier dans la page 30. Kevin, qu'est-ce que tu fais avec ton téléphone dans tes mains? T'es pas chez toi là, tu ranges ton téléphone, tu l'éteins. On n'est pas chez toi là, tu commences à m'énerver. Tu ranges ton téléphone, on est en cours, on n'est pas chez sa mère. Ça commence à bien faire. Et en parlant de ta mère, je vais l'appeler ta mère, tiens. Je vais lui dire, Monsieur Kevin se permet de téléphoner en cours. C'est quoi ton comportement là, j'en ai marre. Tu vois pas que je suis en crise? Tu vas éteindre ton téléphone, on est en cours, on n'est pas chez ta mère. Je t'attends en français, je joue la friterie énervée. Bonjour madame, que désirez-vous? Un hamburger avec saucisse. Dépêchez-vous, il y a encore plein de gens qui entendent. Alors, un hamburger avec saucisse. Des frites avec saucisse. Ça sera tout, je vous laisse patienter. Bonjour monsieur, que désirez-vous? Juste un coca, vous venez que pour un coca? Tenez votre coca. 1,50€ s'il vous plaît. Tenez, merci, au revoir. Je t'attends en français, je joue la maman qui apprend que son fils fume des trucs illégaux. Kevin, c'est quoi que t'as dans ta main? Quoi? Un joint? Tu vas me poser ça immédiatement. Oh, je t'en collais une. Tu vas me poser ça immédiatement. Sinon, j'appelle ton père. Et si ton père, il débarque, ça va voler. Tu commences à bien faire. Et vous? Et vous, là, les copains? Vous aussi, vous êtes des drogués? Bah ouais. Bah ouais. Je vais appeler vos parents. Attendez, attendez, j'appelle vos parents. Kevin, tu vas me donner les numéros de les parents, tout ça. Tu vas rentrer à la maison, tu vas pas manger, tu vas aller dans ta chambre te coucher. Ça commence à bien faire ton comportement. Tu fumes, tu bois, tu fais de tout pour m'énerver. Tu voles, j'en ai marre de toi et puis tes frères et sœurs. Là, j'en ai ras le bol. Je t'attends en français, je joue la maman qui apprend que son fils a eu un accident. Allô, oui? Quoi? Kevin a eu un accident? Avec son scooter? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pris une voiture? Il est en état d'alcoolémie? Non! Non! Je veux pas! Il est mort sur le coup! Je t'attends en français, je joue la maman qui apprend que sa fille est enceinte. Emma, descends de ta chambre, on va discuter entre femmes. Dépêche-toi! Alors Emma, apparemment tu sèches les cours pour te rendre dans un cabinet gynécologue. Alors, t'as quelque chose à me dire? Ouais. Alors, avec ton copain? Ouais, ton copain, tu sais très bien qui? Ton copain Maxime? Qu'est-ce qui se passe avec lui? T'as fait ta première fois et? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? T'es enceinte, c'est ça? De combien de semaines? De 2 semaines? Tu pouvais pas me le dire? T'aurais pu me le dire, je suis ta mère! De où que tu me caches des trucs comme ça? T'as pas à me cacher des trucs comme ça, comment tu vas faire? Je t'attends en français, je joue le facteur bruit. Bonjour madame! Tenez votre lettre! Attendez que je regarde les noms. Oh, attendez, je me suis trompé de nom. Tenez, vous, c'est celle-là et ça, c'est pour votre voisin. Bleh. Je t'attends en français, je joue la prof qui voit un élève en train de dormir pendant le cours. Eh oh! Oh, il est l'heure de te réveiller, t'es pas en cours pour dormir, t'es là pour apprendre, tu te fous de moi ou quoi? Ça commence à bien faire, Emma. J'en ai marre de toi, Emma. De toi, de ton frère et de ta sœur et de ton autre frère. J'en ai marre de vous tous. Vous êtes une famille de dingues. Je commence à en avoir marre. La fois ton frère, Kevin, hein, avec son téléphone, là, c'est, aujourd'hui c'est toi qui dors. Je commence à en avoir marre de votre famille. J'en ai marre, moi. Oh, c'est pas possible, tu te réveilles, allez, il est l'heure. Je t'attends en français, je joue le vendeur de bonbons énervé.
Bonjour, que désirez-vous? Des schtroumpfs avec ceci. Des langues de chat avec ceci. Dépêchez-vous, il y a encore du monde qui attend. Ça fait une heure que vous êtes dans le magasin. Vous avez toujours pas choisi. Faut arrêter maintenant. Dépêchez-vous. Sinon, vous allez sortir. Bah, sortez du magasin, vous n'êtes pas content. Allez, hors de ma vue. Jeune acteur en français, je joue la maman qui apprend que son fils a tapé sa petite amie. Qu'elle veille descendre au-dessus de ta chambre. Qu'est-ce qui s'est passé avec Juliette? Tu l'as tapé? Tu l'as tabassé? Ses parents m'ont appelé. Ils m'ont dit que t'avais tabassé Juliette. Mais ça va pas ou quoi? Je t'ai dit quoi la fois? On ne tape pas une femme. Sinon t'es pas un homme. Je vais t'en mettre une. Et si je t'en mets une, ça va voler. Je te préviens. Là, je suis énervée. Jeu d'acteur en français, je joue la femme qui respecte son mari qui n'a pas rangé les courses. Alors, Kevin, je t'ai dit de ranger les courses. Tu veux aller ranger les courses? Qu'est-ce que t'as encore foutu? T'as rien brûlé de ta journée, je commence à en avoir marre. Je vais me barrer avec un homme si tu continues à m'énerver. Tu vois pas, moi j'ai travaillé.